Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Cindy Barillet. Bonjour à tous. Et Cindy a sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle fait des tutos sur le pastel, mais aussi sur l'aquarelle, sur la gouache, sur la peinture à l'huile. Et dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à un pas à pas que Cindy a fait lors d'une excursion, oui, une excursion dans un petit café d'Angers. Et c'est là que tu as fait un pas à pas sur une peinture d'une tasse de café. Ma tasse de café. C'est parti pour la démonstration. Donc là, tu as pris une tasse. J'ai pris une tasse à café comme modèle. Alors, et là, c'est la récompense. Ouais, c'est ça. Voilà. Si tu réussis à faire la tasse, tu auras un cupcake. Et en fait, à la base, j'avais prévu de peindre le cupcake, mais il était. En fait, la tasse était plus près et je l'ai trouvé jolie. Et je sais pas, j'ai changé d'avis. En fait, alors, il pleuvait pas mal. Et oui. On n'a pas pu peindre à l'extérieur, en tout cas ce matin-là. Ouais, notre plan initial, c'était de faire une journée de plein air. Mais au final, on s'est plié aux caprices de la météo. Et donc, nous voilà dans un salon de thé à la Coquetterie à Angers. Et on s'est dit qu'on allait peindre en intérieur. En fait, toi, tu fais des. Quand tu dessines, tu fais des petits coups. Ouais, alors que toi, t'es plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est pas forcément très bien ce que je fais, parce que c'est ce qu'on disait, j'utilise beaucoup juste le poignet. Et c'est vrai qu'en général, il vaut mieux avoir des gestes plus amples pour avoir un trait plus expressif. Mais j'ai toujours appris comme ça, et au final, ça me réussit pas si mal. Ouais. De toute façon, l'essentiel, c'est d'arriver là où tu vas arriver. Ouais, tu sais, ouais. Souvent, la fin justifie les moyens. Exactement. C'est ça. C'est pour ça que l'utilisation de la gouache à l'aquarelle, c'est quelque chose que. Pour moi, il n'y a aucun problème à le faire. Parce que si tu veux obtenir. Comme c'est irréversible, l'aquarelle, des fois, tu. T'as perdu. Des fois, j'ai le geste un petit peu trop rapide et je couvre une partie en disant ah mince. Ouais, c'est vrai. Ah, je l'ai pas. Ouais. Ça, je l'ai raté. Et après, un petit peu de gouache blanche par-dessus, ça peut. Faut que ça reste ponctuel, mais parce que bon, il ne faut pas non plus que ça recouvre toute l'aquarelle, mais sur certaines zones. Ça peut vraiment ramener la luminosité que tu avais pu perdre. Absolument. Et des fois, si c'est vraiment une toute petite zone, j'aime bien faire au scalpel aussi. Tu grattes un petit peu la surface du papier et t'as le blanc qui réapparaît. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour des branches, par exemple, ou des cheveux. Ouais, des cheveux qui sont. Ouais, des cheveux, sur la lumière. Ouais. J'avais fait aussi des reflets sur. J'avais fait une feuille de caladium en gros plan et après, j'avais gratté tout autour pour faire des petits traits lumineux sur la veine. Et ça marchait super bien. Attends, le caladium, c'est. Vas-y, c'est pour les geeks des plantes. Ah bon, d'accord. Ils connaissent tous les noms. Mais le caladium, c'est des grosses feuilles. Je pourrais mettre le lien si ça intéresse, j'avais fait le tuto. C'est des grosses feuilles en forme de cœur. Et en fait, cette plante, c'est une plante tropicale qui est très connue pour être dans des couleurs absolument exubérantes. Et celle que j'avais, elle était verte avec des taches comme des projections rouges. Et des grosses veines rouges vives qui traversent toute la feuille. C'est vraiment très beau. Ah, donc là, tu démarres sur les grilles. Alors, en fait, on ne met pas le son de la vidéo parce qu'il y avait une musique qui était trop forte dans le salon. Et du coup, on n'a pas pu... C'est pour ça que là, on commente en regardant du coup la vidéo. Mais effectivement, j'avais fait un gris en mélangeant rose de quinacridone et terre verte qui sont deux couleurs... un peu complémentaire. En fait, le rose et le vert, en général, ça vous crée un gris. Après, il faut savoir que selon le rose et selon le vert que vous choisissez, vous n'aurez pas forcément un gris, vous pouvez aussi avoir un brun. Mais de manière générale, le vert un peu bouteille type vert émeraude fonctionne très bien avec le rose type quinacridone ou rose permanent par exemple. Ça vous donne des jolis gris. Si vous mettez un peu plus de rose, vous allez avoir un gris plutôt violacé. Et si vous mettez un peu plus de vert, forcément, vous aurez un gris un peu plus verdâtre. Donc comme ça, vous pouvez adapter selon la couleur que vous voulez faire ressortir. Et là, typiquement, tu avais mis un petit peu plus de rose parce que le gris tire plus vers le rouge. C'est ça. Sur la vidéo que vers le vert. Oui, tout à fait. Et comme ce sont deux couleurs complémentaires, elles se complètent bien, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la tasse est blanche, donc ça peut poser des difficultés... de peindre un sujet blanc. Et en réalité, les sujets blancs, finalement, on va utiliser beaucoup, beaucoup de gris. Hein. Donc moi, j'aime bien laisser quand même des blancs purs. C'est pour ça que je recouvre pas tout de blanc. Si vous regardez l'assiette, je vais faire juste les ombres là où je le juge nécessaire et je viendrai après retravailler un petit peu, mais je vais quand même laisser pas mal de zones de blanc.
Après, le fait que ce soit du café, en fait, j'avais ma tasse de café qui était posée devant moi. Et du coup, ben forcément, il va refroidir ce café. Et là, en plus, il a été torréfié sur place. C'est un super bon mélange de café. Alors, ça m'aurait fait de la peine de le voir froid. Du coup, vous verrez qu'assez rapidement, je peins le café dans la tasse. Comme ça, après, je peux le boire. Et je peux continuer à peindre la tasse parce qu'elle, pour le coup, elle ne va pas bouger. Mais le café va disparaître. Ouais, donc là, ça peut paraître un peu contre-intuitif de mettre ces traces de gris. Le travail que tu fais, c'est que tu observes les ombres essentiellement. En fait, j'aurais très bien pu aussi les faire dans l'humide. Hein. J'aurais pu mouiller toute l'assiette et venir poser mes ombres dans l'humide. Elles se seraient étalées avec beaucoup plus de douceur que ce qui est le cas là. J'aurais eu un résultat différent, mais tout aussi sympa. Hein. Après, faut expérimenter. C'est juste que là, sur le moment, en plus, j'étais un peu dans la précipitation et j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai agi un peu machinalement et ça a donné ça. En fait, avec le croquis, on n'a pas trop le temps de réfléchir à la façon dont on va procéder. On est beaucoup dans l'instinct. Tu utilises quand même tes notions de dessin pour amener un cadre dans lequel tu vas. Oui, c'est plus facile. Ouais. Ça dépend des sujets. C'est vrai que souvent, dans les paysages naturels, je me rends compte que j'utilise très très peu d'esquisses, enfin, pas du tout. Mais dès qu'il y a des choses qui ont été créées par l'homme, en général, je fais une esquisse au graphite. Dès qu'il y a un bâtiment, typiquement, je sors mon graphite. Ou là, une tasse, en plus, il y a une ellipse, donc c'est vrai que ça fait toujours un petit peu. Donc, je préfère avoir mes petites lignes de construction, comme ça rend la mise en couleur beaucoup plus facile et beaucoup moins stressante. Donc là, on est dans le travail du café. Enfin, bientôt. Et tu as utilisé la même couleur pour le café que Ouais. pour les bordures. Économie de couleur. Cohérence chromatique. C'est ça. Du coup, ouais, le café, je vais le faire dans l'humide. Donc là, j'ai fait tout l'intérieur de la tasse. Ah ouais, là, j'avais fait alors ce noir. C'était bleu outre-mer et orange de pyrole transparent. Pour le noir du café. Encore deux couleurs complémentaires, hein. Orange et bleu. Ouais, alors orange et bleu, ça marche bien. Terre de Sienne brûlée, bleu outre-mer aussi, ça marche très très Ah bien. ouais. Ça fait des jolis gris. Là, on a quelque chose de plus chaud en fait que le gris du Terre de Sienne. Et vous voyez là, le noir du café, du coup, il se diffuse un petit peu dans l'ocre que j'avais posé. Dans le Et ça vide. crée un peu cette texture de mousse. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment super bien réalisé, hein, parce que tu sens qu'il y a de la mousse. Ouais. Tu vois le café à travers la mousse. C'est ça. Et donc la spécificité ici, au niveau de l'aquarelle, c'est de démarrer par le plus clair et ensuite de faire le plus sombre, systématiquement. Ouais, je saurais pas te dire si je faisais vraiment systématiquement, mais j'essaye en tout cas. Je trouve que ça aide parce que ça me permet de plus facilement anticiper. Je sais que mes zones claires, une fois qu'elles sont posées, je vais avoir moins tendance à les recouvrir par inadvertance. Mais il n'y a pas forcément de règle quand on est en plein air parce que parfois on est juste pris dans le feu de l'action. Et souvent, j'ai remarqué que s'il y a un truc dans le paysage que je suis particulièrement contente de peindre, je vais avoir tendance à vite le peindre en premier et du coup à pas forcément chercher en termes de stratégie et je me suis déjà fait avoir comme ça en me disant ah, j'aurais dû commencer par l'arrière-plan en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pas réfléchi. Tiens, là, t'es sur l'ombre, là. Ouais, j'adore peindre ce genre d'ombre. Souvent je fais comme ça. Au lieu de mouiller le papier, en fait, je mets mon ombre sur papier sec, je rince mon pinceau et là je viens le passer sous l'ombre. Pour créer, voilà, pour adoucir, créer un dégradé comme ça. J'adore cette technique. Ça fonctionne vraiment bien dès lors que tu as une partie, tu as un côté qui est bien défini et l'autre côté qui doit être flou. Voilà, exactement. Même des fois, on peut avoir une touche de pinceau qu'on a fait un peu trop épaisse par rapport à ce qu'on avait anticipé. Si on a mal essoré son pinceau, on se retrouve avec une touche qui est trop large. Et du coup, avec ça, on peut sauver un peu le truc et on peut venir du coup fondre un des côtés et affiner notre touche de pinceau. Je trouve que c'est super utile Tu refais la même chose en fait sur l'ombre de la tasse. Tu l'as fait sur l'ombre de Ouais. l'assiette et là maintenant tu refais cette même technique sur l'ombre de la tasse. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais le faire un peu partout d'ailleurs sur cette tasse.
Et le doré, c'est de l'ocre jaune. Et après, je viendrai rajouter des ombres sur le doré avec de terre de sienne brûlée. Ouais, là, on sent que ça prend vraiment forme. Ah, là, oui. Ouais. Ouais, ça, c'est de l'ombre brûlée. Ça aussi, c'est bien pour faire des noirs. Ombre brûlée, bleu outremer, ça marche super bien. Là, je vais faire encore le coup de l'estompe avec le pinceau. Et hop là. Voilà. C'est une technique que j'utilise aussi assez régulièrement. Ça permet d'avoir des bords flous et Tu fais des fois des objets comme ça ou c'est vraiment... je l'ai fait par le passé et j'en fais quasiment plus. Mais je pourrais en refaire. Juste sur des petites études. Typiquement, l'exercice de la banane. Ah ouais. Ouais, j'ai fait ça une fois. J'ai fait une balle aussi. Ça, c'était plus pour illustrer les erreurs qu'il faut éviter de reproduire. D'accord. Typiquement, le fait de ne pas mettre assez de pigment à l'aquarelle. Comme l'aquarelle, lorsqu'elle sèche, elle s'éclaircit, j'ai plutôt tendance à rajouter du pigment que l'inverse. Et ça, c'était une erreur que je faisais au début. J'en mettais vraiment pas assez. Et dès que ça séchait, je perdais en contraste. Et donc, je perdais en lumière, je perdais en profondeur, je perdais un peu en tout. Et du coup, tu faisais des glacis pour essayer de rattraper ou... Alors, ouais, les glacis, c'est quelque chose que j'évite de faire. Ah ouais. Ouais, parce que y a une partie du lavis. J'ai l'impression de perdre une partie de la fraîcheur du lavis. D'accord. Et c'est pour ça que j'essaie de limiter au maximum le nombre de lavis dans mes peintures à deux en général. Après, ça peut m'arriver d'en faire trois, voire quatre. Mais les derniers lavis sont vraiment sur des toutes petites finitions, très localisées. Ok, on aime bien les glacis en fait. Bon, d'ailleurs, là, tu peux voir, je viens sans arrêt repasser sur les mêmes zones pour les renforcer. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, après, ça te prend. Oui, ça va. Là, tu le fais dans l'humide. Ouais. Ouais. Et au niveau de ta palette, donc tu as quatre verts et tu as trois ou quatre bleus, je crois. Ouais, je pense, ouais. C'est une palette en fait que j'ai créée pour m'accompagner en plein air, ça. Du coup, je voulais qu'elle soit vraiment très polyvalente parce que quand je suis en voyage, je peux avoir envie de croquer des paysages, mais aussi de la nourriture. Je peux vouloir faire un portrait, je peux vouloir faire toutes sortes de choses. Donc, j'ai pris pas mal de. J'ai mes couleurs primaires, mais j'ai pris le parti de prendre qu'un seul jaune, qui est un jaune neutre. Et après, j'ai un rouge chaud qui est l'orange de pyrrole transparent et un rouge froid qui est le rose de quinacridone. Et dans les bleus, j'ai un bleu de commodité qui est le bleu céruléen, que j'utilise tel quel pour faire les ciels, pour gagner du temps. Mais sinon, on peut très bien. Il y a un bleu qui fonctionne très bien aussi pour les ciels, c'est de mélanger un bleu chaud et un bleu froid. Donc ça va être outre-mer, typiquement, c'est le bleu chaud dont on dispose, plus. Alors, soit phtalo, si vous avez du phtalo, soit si vous avez un autre bleu froid, ça peut être par exemple du turquoise. En fait, quand vous mélangez les deux, je trouve que ça donne un bleu qui est assez équilibré, qui représente pas mal le ciel. Et après, j'ai des couleurs que j'adore, qui ne vont pas forcément m'être utiles pour mes mélanges, mais juste parce que j'adore les utiliser et que je les trouve magnifiques. Comme par exemple le vert de vessie de Daniel Smith, je le trouve super beau et je l'utilise tel quel dans ma végétation. Il y a le terre verte aussi, justement, qui est un vert plus bleuté. Et lui, je vais l'utiliser beaucoup dans la végétation lointaine. Ou pour certains végétaux qui ont ce vert bleuté, comme des cyprès par exemple, ou des résineux de manière générale. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai des couleurs terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ocre jaune. Et j'ai le buff titanium, qui est le beige qu'on peut voir tout en bas à droite de l'écran. Et ce beige-là, je le trouve juste super. Alors il faut savoir qu'il est opaque, mais par contre, on peut l'utiliser pour tellement de choses. Moi, je me retrouve à l'utiliser pour des tas de choses, le sable des plages, le mur des bâtiments, pour ajouter un reflet pas vraiment blanc, mais quand même un peu présent à quelque chose. Je trouve qu'il a beaucoup d'utilité ce petit buff titanium. Par contre, pas en mélange, pas nécessairement en mélange. Après, en termes de matériel, c'est du Anmul, le papier.
Oui, alors après, je ne suis pas super fidèle à une marque de papier. Je ne suis pas du tout du genre à n'utiliser que le même papier. J'ai diverses marques et je jongle entre toutes et j'évite de m'ancrer sur une seule marque. J'aime bien pouvoir passer d'un papier à l'autre sans être perturbée parce que j'ai l'habitude de toute façon de changer. Donc là, on avait fait une pause parce que j'avais laissé sécher mon papier. Et pour les derniers détails, je voulais que ma peinture ne se diffuse plus. Donc là, je vais renforcer un petit peu certains contours, certaines ombres, pour faire ressortir un peu mieux mon sujet. Parce que là, la tasse, elle se fond un peu avec l'assiette. Alors des fois, ça peut être un effet voulu, mais là, j'avais envie de la séparer bien comme il faut. Et là, tu as un pinceau jupon. J'ai mon pinceau jupette, comme j'aime Ah, jupette, l'appeler. Non, c'est pardon. jupon, c'est jupon. C'est moi qui l'appelle jupette. C'est plus mignon. Ouais, ça, c'est un pinceau que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Que je le trouve vraiment génial pour tracer des lignes. En fait, il a ce réservoir là. Et cette toute petite mèche qui ressort. Donc, on peut pas mal le charger en liquide. Et on peut tracer des lignes super fines et super longues. Il est vraiment très intéressant. Ouais, ici tu renforces à ce moment-là les parties dorées de la tasse, quoi. Voilà, là où Et il y ça, avait c'est besoin. avec de la terre de Sienne ou terre d'ombre? Ça, c'était terre de ciel moelleux. Parce qu'elle a ce côté rougeoyant, je trouvais que ça allait pas mal avec l'ocre jaune. Tout ça fait vraiment ressortir le côté doré, Ça change, hein, là. Ouais. ça change tout de suite avec les bonnes ombres. Souvent, dans les aquarelles, il se passe pas grand-chose jusqu'au point où tu commences à rajouter les ombres Ouais, c'est vrai. et tu commences à renforcer certains contrastes. Et là, tout de suite, le sujet ressort. Ah ouais, c'est... Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est que souvent, aux trois quarts, et ça m'est souvent arrivé par le passé, je suis en train de peindre un paysage et jusqu'aux trois quarts de la peinture, donc juste pendant trois quarts d'heure, il se passe pas grand-chose. Et je me dis, bon, bah, ça, en fait, ça va finir à la poubelle, hein, cette histoire. Enfin, pas à la poubelle, mais plutôt dans les archives. Et le dernier quart d'heure, je rajoute quelques coups de pinceau, un peu plus de pigment. Et là, tout de suite, ça donne une autre allure à la peinture. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'abandonner en cours de route, parce que ça. Bah, parfois, on peut avoir de bonnes surprises, quoi. Ah oui, complètement. Mais en fait, il traverse des phases, le tableau. Les premières couleurs, c'est le bébé tableau. Après, il traverse un peu l'âge ingrat, où il est boutonneux et ado. Et après l'âge ingrat, il y a l'âge adulte, où là, ça y est, il est sorti d'affaire. Ouais, voilà, c'est une belle métaphore. Mais ouais, des fois on est tenté d'abandonner en se disant ah, c'est bon, c'est foutu. Puis en fait, c'est pas foutu, c'est juste pas terminé, quoi. Par contre, le truc contre lequel je me bats, c'est de surtravailler le papier. J'ai tendance parfois à repasser sur une zone, à repasser, repasser, repasser. Et parfois même jusqu'à dégrader la texture du Ah papier. ouais. Et donc ça c'est un truc que j'essaie d'éviter C'est au vrai. maximum. C'est vrai qu'il a une durée de vie, le papier. Si tu le maltraites après, la texture, elle se marre. Ouais, c'est ça. Bah, ça y est, ça prend forme là, hein. Ouais, on arrive On au arrive bon sur la bout. fin. Après, il faut savoir où s'arrêter aussi. À quel moment tu dis, ok, c'est bon, mon tableau est terminé. Et à quel moment il faut encore continuer. C'est pas toujours évident de trouver le bon endroit pour s'arrêter. Des fois, quand j'ai un doute, bon, en plein air, c'est pas trop possible. Alors, en plein air, des fois, le tableau s'arrête par contrainte de temps. Ou par caprice de la météo aussi d'ailleurs. Mais quand on est à l'atelier, c'est vrai qu'on peut on peut se retrouver à ne jamais vraiment terminer un tableau, toujours avoir envie de modifier, 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 modifier. Et l'aquarelle, justement, comme tu le dis, on peut surtravailler une aquarelle. On peut vraiment endommager l'aquarelle à force de trop vouloir la retoucher. C'est quand même important de savoir s'arrêter et reconnaître, ok, là c'est bon, j'ai gardé encore assez de fraîcheur. Il est temps de poser le pinceau, quoi. Ouais, tu peux endommager le papier ou tu peux alourdir aussi ta peinture. Et tu peux te Tu retrouver peux avec des rajouter zones trop complètement d'éléments, opaques. ouais. Ouais. Après, il faut pas nuire à la lisibilité du tableau, quoi. C'est ça le truc. Là, les contours que j'ai rajoutés, tu vois, sur le ventre de la tasse,
C'était pas forcément. Ça, c'est un truc que j'ai pris le parti de rajouter, mais la tasse, évidemment, elle n'avait pas de contour. Donc, ça ajoute un petit côté illustratif. Mais je trouvais que c'était bienvenu parce que ça permettait justement de la détacher de l'assiette et d'affiner un petit peu le résultat. Oui, ça c'est un parti pris et ça fait partie des décisions que tu prends pendant que tu peins. Tout à fait. C'est pas quelque chose que tu avais en tête dès le départ. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je me rappelle qu'à ce moment-là, je t'avais dit que parfois, je prenais un stylo et je faisais les contours à l'encre. Surtout si j'étais pas très satisfaite de ma mise en couleur. Je trouve que parfois, avec des contours ancrés, ça sauve un peu le croquis. Ça donne un petit côté plus illustré et ça change le style et ça peut améliorer le rendu. Et c'est vrai que dans mes carnets de voyage, si je suis pas contente de ce que j'ai fait, en général, je sors mon stylo plume et hop, je fais les contours. Là, on a fini la peinture. Merci d'avoir assisté à cette démonstration. Retrouvez ma propre démonstration sur la chaîne de Cindy. À bientôt. Et dans cette vidéo, on va voir. Désolée, j'ai dit c'est parti à ta place. Ouais, C'est l'habitude. C'est parti, c'est moi qui prends le contrôle de la chaîne.